Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Project Live. Donc je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et donc c'est parti pour la customisation des pages. Donc alors pour la première page, j'ai déjà sélectionné mes photos et arrondi les angles et je viens tout simplement les coller sur mon fond de page. J'ai sélectionné ma petite carte de Project Life sur laquelle j'ai déjà écrit mon journaling. Je vous passe toujours ce passage-là parce que c'est toujours très long et puis je cherche toujours ce que je dois dire. Ensuite, je suis venue coller un petit peu de masking tape et je suis venue récupérer une petite découpe d'une page 30-30 que j'ai faite il y a très longtemps dans une page avec plein de petits mots et que j'adore utiliser sur pas mal de mes vidéos. Ensuite, je suis venue prendre les chiffres pailletés de chez Toga et j'ai écrit mon chiffre du jour. Et ensuite, j'ai utilisé des alphabets Toga toujours pour écrire le petit mot suite. Et ensuite, je suis venue rajouter un autre petit morceau de masking tape et je suis venue découper un petit tamponnage pour le coller sur ma photo du haut. Et je vais le coller par-dessus un petit tamponnage que j'avais fait avec de la poudre à embosser bronze sur du calque. Ensuite, je vais récupérer un petit tamponnage donc, que ma sœur m'avait fait et je viens le coloriser avec un feutre à alcool tout simplement. J'aurais pu prendre n'importe quel feutre, mais j'avais envie de mettre celui-ci. Et par-dessus, je viens rajouter un petit peu de Wink of Stella. Je vais venir le coller sur ma page, mais je vais venir le coller par-dessus un petit morceau de fil de couture parce que j'avais envie d'en mettre un petit peu et je trouvais que ça mettait un petit peu de relief à ma page. Ensuite, je viens coller un petit sticker ce doré transparent de chez Mambi et je vais rajouter une petite étoile à côté. Ensuite, je viens récupérer une chute de papier dans laquelle j'ai perforé avec ma perforatrice de bordure et je vais la coller en bas de ma page par-dessus la carte de Project Life. Et ensuite, je viens rajouter un petit peu de masking tape. Et c'est terminé pour cette page. Ensuite, on passe à la page suivante et là, encore une fois, je me suis déjà occupée de mes photos et je les ai arrondies. Enfin, j'ai arrondi les angles. Et là, je viens m'occuper de ma carte de Project Life. Donc, j'ai récupéré un sticker toujours du blog de chez Mambi. Pour noter le jour et je viens écrire le chiffre avec encore une fois un alphabet craft qui vient du même bloc de chez Mambi et j'écris mon journaling. Ensuite je vais récupérer une petite chute de papier que j'avais découpée dans un bloc action et je vais récupérer un petit morceau d'étiquette entre guillemets que je vais coller donc en haut à droite d'une de mes photos. Ensuite je vais rajouter un petit peu de masking tape et je vais coller un petit die cut que j'ai découpé dans une feuille 30-30 de chez Action. Et par-dessus la petite étiquette en haut à droite, je viens coller un die cut qui vient donc de la même feuille 30-30 de chez Action. Sur une autre photo, je viens mettre un petit peu de masking tape et je vais faire un petit trou avec mon cutter pour pouvoir rajouter un petit brad que j'ai fait moi-même. Donc c'est une récupération des brads de chez Action que je n'utilisais pas et j'ai décidé d'en faire un pour le customiser à ma façon. Je me suis inspirée un peu des vidéos de Nat Azerty. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ensuite, je viens coller une petite étiquette en bas à gauche de ma photo et par-dessus un petit morceau de masking tape. Et je fais la même chose avec la photo d'à côté. Je vais rajouter un petit sticker si j'écris dessus mon titre et également avec la photo d'après. Sur la dernière photo, je crois, je viens rajouter un alphabet qui vient donc de la planche craft de chez Mambi toujours. Et je viens récupérer donc d'une planche Simple Story qui sert à faire les planeurs, un petit soleil que je vais coller donc sur ma photo. Désolée, on ne le voit pas au moment où je le colle, mais vous le verrez juste après. Et bien évidemment, je viens découper l'excédent de stickers qui dépasse. Et je viens coller mes photos sur ma page. Et c'est terminé pour cette page. Comme vous voyez, j'ai juste rajouté une petite flèche en dessous du soleil qui vient toujours des stickers planeurs de Simple Story. Sur la page suivante, donc j'ai encore une fois arrondi les angles de mes photos. Et j'ai pris une petite carte de Project Life, donc elle était un petit peu trop grande, donc j'ai juste découpé le mot Happiness et j'en ai reformé une carte de Project Life. Et là je viens customiser une carte de Project Life également avec pas mal de stickers, donc d'abord des stickers de chez Casey Art je crois. Ensuite je vais rajouter deux die cuts qui viennent de chez Casa, une étiquette qui vient du bloc Mambi et un autre die cut qui vient de chez Casa. J'ai écrit mon journaling et je vais rajouter un petit peu de masking tape. En même temps, je viens coller un petit cœur die-cut toujours de chez Casa sur ma photo. Et vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais j'ai également collé donc toujours de chez Casa une petite fleur sur la photo en haut à droite. Et encore une fois, toujours de chez Casa, je viens coller des die-cuts au milieu, donc sur la photo, comme vous le voyez, un petit chevron et le mot The Best. Et je vais rajouter par-ci par-là des petits morceaux de masking tape, comme toujours.
Ensuite, je viens noter le chiffre du jour avec l'alphabet craft toujours de chez Mambi. Et ensuite, je viens rajouter, vous savez, dans les petites planches de chiffres, il y a toujours des petits ronds à l'intérieur des 8, des 9, des 6. Et ben, je vais rajouter ces petits ronds en tant que sticker sur ma page. Comme ça, je trouvais que ça faisait un petit peu plus de lumière et je trouvais ça joli. Donc voilà, c'est terminé pour cette page. Et pour cette vidéo également, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus courte que les autres, mais je trouve que de temps en temps, des vidéos un peu plus courtes, ça fait du bien. Et en attendant la prochaine vidéo, encore une fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye !